On va à la presse avec ceux qui ne connaissaient rien. Il est où le patron? Il est en vacances. Oh, tes conneries. Non, je rigole, il est parti à la campagne. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait, Jean-Phi, pour que tu me mettes dans le bêtisier? Oh, on a tout vu. Mauvais numéro, le 7. Bonne surprise, je savais pas. You think you have a good chance in the UAT? Alex, oui. Un mec comme Roberto Donati t'impressionne. Il est venu avec deux femmes, c'est les deux seules qui travaillent. C'est vrai. Il est balèze. Tu crois que c'est la touche italienne? Peut-être, mais en tout cas, il a tout compris. Barbara, on l'a refait, mais cette fois, essaie de faire bien la gueule, s'il te plaît. Oh, ça va. Ouais. Think I'm back fairly well. Allez, Josh, envoie la caillasse. On a mis. Philippe m'a dit hier, on n'est pas mort. Et ici, je pense que avant la course, le 1 est mieux que le numéro à l'extérieur. Je pense. Mais bon, ça se trouve, je dirais le contraire tout à l'heure. En fin de compte, avec le 7, on est mieux. Hein. J'avais bien raconté une connerie tout à l'heure. Je m'en doutais un petit peu quand je l'avais dit. Allez, papa! Bien? Putain, il démarre, hein? Comme un V6. Ah, c'est un fumier, hein? Putain, tout pendant que le poteau n'était pas passé, j'ai dit, oh putain! Non, il a gagné déjà ici. Est-ce qu'un dernier dimanche de janvier, tu pourras t'assier à son sulky, par exemple? Non, non, d'abord, il est hongre. Ah oui. Il y a un mec qui a dit, enlève la lunette. Je dis non, je n'enlève pas. Parce que je suis sponsorisé par Yves Saint Laurent. Oh, tu me regardes. Je dis, ah, tu me crois pas? Je dis, tu sais lire? La masturbation, c'est quand même positif. Hein. Je sais pas si c'est la base, mais ça serait pas un génocide plutôt. Ça, je laisse le soin aux autres de faire leur jugement. La tête à Jean-Philippe Ravjot, ça c'est excellent aussi. Et Nico Roussel qui a pas arrêté sa croissance. Non, mais attends. Nico, mais t'es trop près là. Et si je me mets plus après, loin, on a une tête comme ça. Après, le problème, c'est François, ça. Bah, Jean-Phil Ravjo, c'est ça. Ça filme là. Bon, African Girl, c'est une bonne petite pouliche. Elle a bien plu avec Rafa le dernier coup. À mon avis, elle est un peu comme Nicolas Roussel. Elle a pas fini sa croissance. Mon grand Jean-Philippe. C'est sûr que j'ai peut-être arrêté ma croissance de bonheur, mais quand on voit la taille de tes parents, on se demande ce que t'as eu dans ton biberon. Bon, on débrief le prix de Normandie avec toi, Mathieu. Donc là, faut que je parle. Attention, le temps était défilé. Bravo. Merci. You can have a beautiful woman, but you know she's bad in the kitchen and bad in bed. So just to look at her, there's nothing. It's the same. It's the same with horses. Est-ce qu'il s'est pas un petit peu creusé quand même ce prix de Normandie? Oh, c'est pas creusé, c'est, je pense, une mauvaise génération montée. Ah ouais, j'ai baissé mes virages. Eh, eh ben, au lieu de boire une bouteille de champagne, on en boit deux, par personne. Non, c'est top, c'est vraiment top. Ouais, faut faire gaffe à ces mecs-là. Ouais. Ils nous enregistrent et après ils nous font chanter. Il dit, je la mets sur le net ou alors vous me donnez ça, sinon... Ils font des tours de cours et tout aussi, j'ai vu. J'ai eu le temps de suivre toutes ces conneries, normalement t'as pas le temps de regarder leurs conneries. Bah non. Et puis là, vu que t'as arrêté, bah tu t'y mets un peu, quoi. Forcément, en plus ça leur fait plaisir, apparemment. Mais... Allez, on ferme la porte. Celui-là, c'est un VIP. Bah, il a commencé très mauvais cheval, il est passé un peu mieux, puis il se met à courir en Normandie, alors... Il s'est sorti les doigts un peu des fesses et puis. Ouais, il a travaillé tout seul quoi. Deux éclopés. Ouais, deux éclopés. Mathieu, ça va? Biscaria, t'as pas voulu monter? Non. J'ai pas de sel. C'est ça, du coup. Ouais. Au début, je vois ça. Je dis, oh, ça se trouve, c'est possible. Après, je vois monter, je dis, oula, moins possible déjà.
Mais après, je vois Viscaria, je dis c'est bon, je connais la blague. Ouais. Mais il y en a beaucoup, et puis après, quand ils ont vu le nom de l'entraîneur, ils se sont dit ah, c'est bon, c'est obligé, c'est une connerie. Voilà pour vous dire. Bon, tiens, rien du tout. Mais tu vois, c'est con qu'elle ait passé de course avant le semi classique de. T'as pas un autre 2100 prochain coup monté? Parce que je pense que je vais être prêt. L'île de France, je te la mets. Oh, l'île de France, c'est loin, oh, c'est loin, mais je te la reprépare. Je vais être rouillé d'ici là, par contre. Hein. Voilà, parce que tu vas pouvoir aller chez toi vu que ta chienne elle le veut. Ouais, bah, ouais, mais c'est là si le chien il veut. Tu me prépares un chèque de 70 000 € et à toi. Voilà. Il est gourmand. Il a toujours été gourmand un peu. Ça se voit un peu à son physique. Hein. Hein. Pour le meeting. Oh putain. Quel enculé celui-là. Je fais pas de sélection. Hein. Ah, non. C'est bon. Attends, mets un petit coup, Jean-Luc. Hein ? La température est bonne, il fait 3-18 degrés. Hein ? Oh, il n'y a pas d'aller à briller. Qu'est-ce que t'avais dit ? 5000. Qu'est-ce que t'avais dit comme vilainité ? Que les papis faisaient de la résistance. Ouais. Oh non, pas du tout. Pour sourire, tu sais, ça va pas. Le driver, il s'est appliqué pour une fois ? Oh, là-haut. Oh, un bon poulain. Est-ce que c'est l'une de vos meilleures ? Oui. Sinon, peut-être qu'on l'arrête un peu. Ou alors on le fait castrer. Non, je dis ça, c'est parce que son propriétaire, il va pas être content si on lui dit qu'on le castre. Mais au pire, on lui dira qu'on s'est trompé. Eh, vas-y, viens nous voir qu'on voit ton petit cul là. Ouais, tu m'entends ? Allô ? Thibaut, tu veux un petit mot ? Allez. Merci, Camet. Merci, Thiago. Martins, merci à Glazure. On se retrouvera tout à l'heure pour le tirage au sort. Et t'as préféré le champagne au petit plateau, toi ? Ouais, bah la salle d'avant, j'avais laissé le champagne, mais ce coup-là, je la garde.